Voilà. Salut tout le monde, c'est François. On va vous montrer notre cabane juste ici qu'on a commencé. Regardez, c'est pas mal hot. Attends, je vais aller vous montrer de l'autre bord là. C'est assez moche, mais c'est quand même beau. Regardez. Hey, mais tu nous présentes nous, hein? Ouais, attendez là. Regardez, monsieur le caméraman, Charlie, ici présent. Allô? Et Eliane, ici présente. Allô? Qui va aussi faire du travail avec moi. Fait que je te laisse avec la vidéo. OK? Bon, et là, dans le fond, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Dans le fond, là, nous, on vient juste d'installer une branche juste ici. Vous vous demandez, mais François, ça sert à quoi ça? Mais dans le fond, ça va servir à faire un toit. Mais dans le fond, ici, on a un plancher qu'on n'a pas. Mais arrêtez, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est une tente. Oui, c'est ça. C'est un peu. Ici, on a un plancher non fini. Et ici, on a un plafond non fini. Fait que là, on va mettre des blancs, des branches. Et on va faire un toit. Et ensuite, on va regarder les feuilles là, qu'il y a partout. Ben, ça, ça va nous servir. Ça va nous servir à faire le toit. Puis aussi les comme branches, le les métal branches, ou le bois avez... du toit. Puis là, de votre maison. Puis là, ben. Ben, de notre. Puis, comment on fait? On met des branches. Bon, on s'en fout. Là, on travaille. On n'est pas dans l'explication. On a expliqué. Bon, let's go. On part. Fait que là, on a trouvé une bonne branche. Allez-y, voltez. Hein? Qu'on arrive pas! C'est okay. Ben, là, on a trouvé une bonne branche, mais qui est extrêmement dure à casser. Allez, caméraman! Nice! J'ai ça! Nice, Charles! Fait que branche. Là, on a notre petite branche que ça fait deux jours qu'on essaie de la péter. Et elle pète pas. Enfin, elle a fini par péter. Par contre, après, elle a tout pété. Et ça, c'est aussi c'est très compliqué. Oh, putain, j'ai planté. OK. On va commencer par... C'est pas compliqué. Mais moi, j'ai commencé par trouver une branche, puis après, je vais aller la déposer. Et là, ça commence à être un peu plus complexe. Je vais tomber. C'est compliqué. Madame. Bon, donc là, ouais. On a une branche compliquée à casser. Puis on va le faire pour la fin. Pour la fin. Non, hier, je la casse. Ouais. Caméraman, j'aurais besoin de cette branche. Charles, okay. Ça, prenez-la. C'est celle-là. Je vais aller chercher des feuilles. Si vous ne me voyez pas, c'est normal. Je m'en vais juste travailler. Ben go, on va aller chercher des fougères, hein. Ouais, c'est ça. On va aller chercher des fougères. C'est des fougères, là. Ah, c'est parti. C'est vraiment bon. Puis ça te protège des moustiques aussi. Je me suis fait dire ça. Puis eux, ils dépassent. Hein? C'est bien pratique. Attitude, on n'en veut pas. Il faut quand même en prendre. Fait que là, je peux travailler. En même temps, il va travailler. Regardez, on peut aussi faire ça. Ben, arrêtez, c'est un épouvantail. Hein. Ben, c'est ça comme l'armée. Ça qu'on faisait dans l'ancien. Yann! Tiens, j'ai tout ça, moi. Ok, on continue à en prendre. Let's go. Hey, non, mais aussi, là... Ça veut pas dire que t'as un caméraman que tu peux pas travailler. Non, mais ça veut aussi dire que les fougères, on peut se laver les mains avec. Parce que si on l'attrape dans notre bol d'eau, ben on pourra... Ça lave, ça. Ben, tu te frottes les mains avec, là. C'est un peu comme une débarbouillette, là. Je m'en vais porter mes fougères. Oh, c'est malade, mec. Regardez. J'en ai beaucoup. J'en ai épouvantail. Ah, il m'a t'en donné une plus grosse épouvantail. J'en ai beaucoup. Vous voyez, j'ai beaucoup de fougères, mais je vais les porter à la
OK, là, on... Pourquoi vous portez en même temps? Bon, OK, là, on va aller porter... Wow! À la cabane. Une, deux. Ouais, c'est mon set d'homme. Bon, là, on fait pas du mot parce qu'on est vraiment concentré. D'habitude, on est une chaîne de con. Peut-être qu'on va ouvrir une chaîne secondaire. Mais on n'est pas encore rendu là. Mais je vous jure, on va faire plus de vidéos de survie que de gaming. OK? Mais peut-être de con aussi, là, puis de gaming. Oh, ça mais dépend. Un peu de gaming, mais pas trop. Ouais, ben, on va faire des forts aussi l'hiver. Hein? On va faire des forts, des vidéos de forts l'hiver. Ça. L'hiver, OK, moi, les boys. Ferme ta gueule, OK? Tu parles pas quand je parle. Bon, ben, c'est ça. Ben, on va faire des forts l'hiver. Attends, je vais voir la caméra, là. OK. Ben, on va faire des forts l'hiver. Puis, on va vous montrer ça, comment bien en faire. Évidemment, on va se pratiquer pour en faire parce que nous, on n'est pas des maîtres de ça. Attends. Il y a un moustique. Ben là, on va aller rechercher des fougères. Go! Parce qu'on en a vraiment besoin de vraiment beaucoup de fougères. Moi, je reste ici. OK. Ben, dans le fond, c'est ça. Oh! La survie, on va essayer d'en faire un peu plus, donc, mais si c'est la fin. On va essayer de filtrer l'eau. Pour que ça devienne de l'eau potable. Fait que là, notre niveau, il est pas là. Il est là. De quoi? Notre niveau de survie, là. Ben non, c'est facile. On n'est pas en survie. Ben comme. On se pratique à être en survie un peu, parce qu'à un moment donné, on va dormir dans le bois. Ouais. Puis on prépare... Vous nous dites, mais François, mais t'es malade. Attendez, ici, il n'y a pas de loup ni rien. Ici, on peut être en sécurité. Il va pleuvoir, on aura un toit. Ouais, OK. Ça va sortir, mais il faut juste faire sortir le moustique. Non, ouais, non. Seulement quand c'est en feu. Vu que ça fait beaucoup de fumée. Okay. Non, mais les fougères, ça fait fuir les moustiques. OK, filme Eliane, OK? Moi, je suis pas là. Je sais que je suis youtubeur en question, mais bon. Bon, allez. Je filme? Non, c'est moi. Je sais quoi? Pas là-bas. Ah, moi aussi, j'ai empoigné un peu. Puis, ben, ça, ben, on apporte ça. Puis là. Moi, j'ai juste pogné la poignée. On peut faire des émouvements, ça fait bien. Allez, on y va. On va faire de la lutte, là où il y aura un épouvantail. On se passe. Go. Ya. Ça baigne, là. Bon, allez, c'est parti! On a beaucoup de fougères! On en a beaucoup. Ouais, mais il en faut, on n'en a pas assez. Ici, j'en ai mouillé une, voir si ça allait donner quoi. Mais sinon, on en a beaucoup de fougères, regardez. Ouais. Mais ici, j'en ai mouillé une, puis j'en ai séché. Est-ce que tu peux être la caméraman? Maintenant, Eliane, c'est la caméraman. François, tiens, arrive! Je crie, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, de loin, cette cabane, elle a l'air vraiment hot. Regardez de proche. Vous voyez la cabane? Et maintenant, de loin. Regarde. Maintenant, de loin. C'est hot, hein? C'est fou. Il y a carrément un chien. On cherche Charles. Charles, je m'en viens t'aider. Charles arrive. Il est en grande compétition. Ah.
On boit François-Étienne Tellier. C'est François. Bon, ben François. François, mon nom de YouTuber. C'est comme Mikalash. Non, d'accord. Je viens de trouver un nom de YouTuber. Pas François. C'est bien. Franti. Ben non. Il y a plein d'herbes. C'est là où qu'on fait notre cabane. Mikey. Ça va être ça? Sûrement Mikey. Yo tout le monde, c'est Mikey. Ouais. Mon nom maintenant de YouTuber, c'est Mikey, ok? Mikey, tout court. Mikey. Ouais, avez... parfois on va t'appeler François. Ben Mikey? Non, Mikey. Mikey. Non. Fait que si vous m'appelez, vous n'êtes pas François, vous êtes Mikey. Oh, voici une longue. Oh. Je me cache du soleil. Je me cache du soleil. Ah, regardez. Je me cache du soleil. Attends. Regardez. Elle se cache du soleil. Tout simplement. Il fait trop chaud ici. Bon. Là, dans le fond, on a aussi des longues herbes ici. Et les fougères, ça sert. Ah, oui. Ben non, ça sert au toit. Ouais, je blague. Quel est j'ai votre fougère? Bande de bêtes. What the fuck, j'ai ça, man. What? Attends. J'ai rapport. What? J'ai rapport. Prends ton téléphone. What? Je sais. J'ai trouvé des gros alcooliques. Regardez. Non, mais ça, c'était dans le temps. Vous connaissez des bâtards. Oh, il en reste encore! Beaucoup, hein? Mais je suis un bâtard. Arrête de faire ça, man! C'est fun! Arrête! Non, mais. Non, c'est que dans le temps, il n'y avait pas de poubelles, il n'y avait pas de. J'ai toujours voulu faire ça. Dans le temps, il n'y avait personne qui ramassait les poubelles. Voilà! Maintenant, mon rêve a été réalisé. T'en as fait un autre, gros bâtard, tantôt. Ah ouais, je sais. Mais what the fuck, man? T'as vu les. Les canettes? Mais que ça, on peut faire du compost avec. Ben, pas du, du compost. Oui, on peut faire des trucs avec si on les nettoie. Là. On peut les forger, les mecs. La chaîne, ça va être de la forge. Mais non, je blague. Ça va être de la construction. Peut-être qu'on va construire des trucs, pas seulement des cabanes. Ouais, comme mais. Moi, j'ai déjà bâti un bat de baseball assez moche. Mais j'abandonne pas. Mais ça gosse que je construis avec mes potes. Parce que moi, là, c'est de vous faire plaisir à vous. Que vous aimez ma vidéo. Que je veux que vous compreniez ma passion à moi et à mes amis. C'est pas du gaming pour moi. Il y en a que c'est du gaming. Il y en a que c'est de la fabrication. Il y en a aussi. Ils fabriquent des jouets. Toutes sortes de trucs de même. Fait que là, ben moi, ça me tente de vous transmettre ma passion, qui est la construction. Fait que là... Moi aussi, c'est la construction. C'est ça. Moi ben, aussi, c'est la construction. Nous trois, on vous partage notre passion en faisant une cabane. Ça veut dire que si nous, on arrive, vous pouvez le faire si vous voulez. Vous pouvez. Et c'est pas nous qui va décider si vous allez le faire. Et personne peut vous en empêcher. C'est seulement vous qui décidez. Si vous en, si vous le faites ou pas. Il n'y a personne qui a le droit de décider. C'est ça. Personne n'a le droit de décider. Personne n'a le droit de décider de ce que tu vas faire de ta vie. Ouais. Si tu veux faire comme nous, nous, OK, pour le moment, on a réussi. Vous, peut-être derrière votre écran, vous vous disiez que c'est moche mais, et que vous allez bientôt quitter la vidéo. Mais je vous dis une chose. C'est ce qu'on fait, là, c'est de la pure passion. Parce que s'il y a d'autres gens qui adorent la construction, mais qui n'arrivent pas, ben, encouragez-les, restez positifs. Et maintenant, un jour, vous allez réussir à faire comme nous. Parce que nous, on n'a jamais rien lancé. Peut-être mieux. Ouais, peut-être mieux que nous, hein. Vraiment mieux que nous. Ouais, puis notre prochaine affaire, on va essayer de faire notre prochaine cabane. Ben, après, on va faire la salle à muscu. Ouais, fait si on est capable de le faire,
vous êtes capable de le faire. Parce que nous, on s'est pratiqué. On n'a rien lâché. On a pris avec les moyens du bord. On n'a même pas pris de scie. C'est nous qui le cassait. On n'a même pas fait de hache. On a juste trouvé un coin tranquille pour créer notre cabane. Puis on l'a fait. On n'a jamais rien lâché. Jamais. Et maintenant, vous voyez ce que ça donne? C'est un beau résultat. Aussi, c'est que la prochaine cabane qu'on va faire, ben, on va faire la salle à muscu. Avec l'hiver, la prochaine cabane. Ben non, mais la salle à muscu. Puis l'été prochain. Oh non, à ma fête, on va aller en faire une dans le bois. Parce que l'été prochain, la cabane qu'on essaiera de faire, ça sera une cabane à forgeron. Parce que on va pas pogner du métal. On va pogner comme du bois, on va l'aiguiser, des affaires de même. Puis après, on aura juste à le mettre dans notre cabane, on va faire des tirs. Peut-être que même avec nos massifs, en survie, on a le droit à notre tir. Ouais. Peut-être que si on construit quelque chose à la maison, on pourrait construire une étagère puis l'amener. Comme ta petite table. Mais faut que juste vraiment que la cabane soit réussie. On va apporter un tiroir. Les boys et les girls. Ouais. Mais dans le fond, moi, j'ai dit à mon père, papa, je vais être constructeur. Fait que mon père m'a répondu, OK, par le commencement, tu dois faire une table. Il m'a dit, une table belle ou une table fonctionnelle? Vous me dites quelle vous choisissez entre fonctionnelle et belle. Fonctionnelle. C'est votre avis. Okay? Vous le dites dans les commentaires. Moi j'ai choisi fonctionnelle. Comme moi. Ou belle. Ouais. Mais peut-être que j'aurais choisi belle. Mais on ne sait pas si belle serait fonctionnelle et fonctionnelle, belle. On ne sait pas. Dites-moi dans les commentaires si c'est belle ou fonctionnelle. Mais... si elle est pas belle et elle est fonctionnelle, c'est grave. Utile. Mais si elle est belle et elle est pas fonctionnelle, c'est moins utile. Mais ben, t'apprends pour faire d'autres choses, là. Ouais. Fait que là, on est en train de faire notre toit pendant qu'on vous parle, mais on devrait être plus concentré que ça. Ouais, parce que là, je suis pas sûre qu'il te reste beaucoup de temps avec nous, là. Ouais. Et ça serait chiant. Ouais. Ok, Yann, je te reporte la caméra. Bon, ok, là on est en route pour reprendre les fougères. Je sais, c'est dur de filmer parce que moi, je suis gros. Ah! Désolée, je viens de tomber. Là, on a les fougères. J'ai mal. Là, j'ai tombé solide. J'ai tombé, wesh. Ah, c'est impossible. Ah, il y a plein de boîtes. Ok, là, on est en route pour retourner. Et juste vous prévenir, des fougères, ça se mange pas. Fait que si vous voulez manger des fougères, vous êtes dans le champ gauche. Et aussi, pour faire une cabane comme ça, il faut être motivé en crise. Même, il faut que vous soyez patient. Je repasse la caméra. Yeah! Stop bullying me! Et si les Anglais nous regardent et vous parlez un peu anglais, français, expliquez-leur que ça, c'est possible de faire des trucs comme ça. Charles, faut que tu mettes des plus gros paquets.
Parce que sinon, ça tombe. Mais là! J'en ai mis un énorme, wesh! Ouais, fait que c'est ça. On peut aussi en mettre à terre des fougères. Non. Ouais, oh, quelques-unes. Fait que là, Charles, je vais te repasser ma caméra. Tiens. Et maintenant, on va aller sur le fougère. Fougère. Là, on est rendu étape du toit. Tout simplement. Ouais, non, mais c'est que le toit avant, on n'a pas terminé le toit arrière. Ouais. Hey, oh, hey, on a sauté une étape. Ah! Oh. Aide-moi à me relever. Gros. Gros, man, je viens de tomber comme une grosse merde. Lol. Est-ce que t'en as une grosse merde? Non. Par contre, j'ai un gros pied. Je sais pas si c'est gros que ça. Ben, il pèse au moins 10 livres, là. Le tien. Pas tellement. Mon cul, il est... C'est pas cool. Mon cul! Mon cul, je t'honore. Diane, je t'ai donné un paquet de fougères, OK? Oh, nice! Passe-le-moi! Ah, c'est que c'est une crise de tabarnak. Passe-le-moi. Là, Oh! Le j'ai le sable à ça, les mecs! Nyon. Fire! Bon, fait que là, les gars, on va aller mouiller les petits fougères dans l'eau. Mais non, on fait pas ça! Mais oui! Non, attends! Moi, je m'en vais chercher des énormes fougères ici! Allez, c'est parti! Non, mais pourquoi tu ne les mouilles pas dans le seau là-bas? Parce que ça ne sera pas assez. Ouais, je sais pas. Énorme! Ben, c'est ça! Attends, est-ce que tu peux prendre la caméra, Liam? Parce que moi, je prends des fougères. Attention. On prend des énormes fougères. Mais je sais! Tiens. Ouais! Je peux pas. Je veux le sable laser! Merde! Mon sable laser, c'est quoi? Que tu peux tenir? Parce que là, moi, je suis pas capable. Parce que moi, il faut que je prenne des grosses fougères. Eliane? Non! Elle veut pas. Les mecs, vu que, ben, on a plus de caméraman, c'est moi! En plus, c'est moi, le youtubeur en question. Fait c'est vraiment des gros fils de pute. Fait que là, on est en route vers le petit ruisseau que vous avez vu au début de la vidéo. Mais pour non. Mouiller, c'est oui, non, fougère. Est-ce que c'est une autre vidéo? Hein? Est-ce que c'est une autre vidéo? Ben non. Ah oui, c'est ça que tu l'as arrêté tantôt. Ah ouais, pardon. C'est que dans le fond, ben, je vous ai pas dit, mais... ben, vous l'avez pas vu, mais peut-être que vous avez vu mon ancienne vidéo... qu'on l'a arrêté à cause que on voulait filmer comme je filme en ce moment. Et ben, si on voulait pas, fait qu'on a été obligé de l'arrêter. Mais ça, c'est la suite. Vous inquiétez pas. C'est la suite de l'ancienne vidéo. Je parle comme si je faisais une vidéo YouTube quand je suis juste sur appareil photo. Fait que là voici le petit ruisseau. Vous le voyez pas, c'est normal. On est loin, pas mal. Et on est en route pour mouiller les fougères. Ouais, on est en route pour mouiller les fougères. Ah, les fougères. Ouais. Ok. Donc, on va aller là. Ouais. T'es maintenant à la fois. Non. Juste le bout, c'est correct. Tiens, je suis en plein bord. Voilà, j'ai mouillé le bout, moi. Le bout, c'est correct. Allez, on y va? Ouais. Ah. Moi, j'ai juste tout mouillé. Hey, non! Bon, je sais pas pourquoi on a mouillé les fougères, mais en tout cas, je sais très bien que ça va servir à quelque chose. Sûrement à coller. Ouais, mouillé, dommage que mon frère soit pas là, parce que lui, il a une jambe cassée. Mais non!
Mais il y a juste... Une blessure de guerre. Non, pas une blessure de guerre, c'est pas gros. C'est, bah, une c'est juste qu'il y a eu du sang. Ouais, il y a eu du sang. Du sang. Du sang. Et la mort. C'est pas vrai. Mais non, il est pas mort aussi. Mais vous êtes con. Vous savez, quand on est unique, je sais pas pourquoi je change de sujet, mais quand on est unique, on peut faire de grandes choses. Tandis que si on n'est pas unique et que tout le monde fait la même chose que nous, mais en plus rapide, ça devient énervant et t'as le goût de les tuer. Fait que ça fait extrêmement chier. Ouais, mais c'est normal. Quand tu fais des vidéos, puis on continue à parler avant toi, là, tu fais chier. Ouais. Pete, est-ce qu'il faut que tu gères? Ouais. Ben, bonne chance, tu voudras les mouiller. Non, je ne vais pas les mouiller. Non, on va pas les mouiller. Bon, ben, moi, je vais monter à la cabane. Bon, ben, Iliane. Tiens, le ciel! Attends, je vais le prendre. Ok. Attends. Veux-tu bien me le placer dans la main, attends? Il est à l'envers, wesh! Tiens. Parfait. Voilà! J'arrive! Wesh! Je ne vois pas les fous, j'avais un peu. Fait que là, regardez, vous voyez la cabane, ok? On dirait qu'elle est full! Immense. Ben, elle est full petite. On dirait qu'elle est full petite, mais immense. Ben non, elle n'est pas immense. Elle est grosse, mais... Mais quand même, en réalité, c'est que... Elle est pour trois personnes. En réalité, c'est que François-Étienne, il a commencé à s'amuser avec une branche. Et Mikey. Ben, Mikey, il a commencé à s'amuser avec une branche. Fait que là, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qu'à un moment donné, ça a bloqué. Ça a bloqué dans une branche, genre... Qui ressemblait à ça? C'est grâce à moi. Non, tu savais pas quoi faire. Puis après, moi, j'ai eu l'idée de faire une cabane. Oh, okay. Mais, filme en avant. Filme pas que t'as Ben, c'est ça, là, regarde. Ça a pogné, puis après, on l'a renfoncé, puis ça fait une diable. C'est-tu assez, regarde? Regarde, moi, j'ai une chaîne. Pensez-moi. C'est ça, s'il te plaît. Moi, c'est la personne qui aimait. Hé, hey, hé! Hey. C'est pas toi qui me tue. Mais toi, c'est pas toi comme il faut. Je sais comment on est. Toi, t'es fait tomber. Mec, on a tellement mal aux jambes. Hey, ça vous dit, on va prendre une pause à l'intérieur. OK. Et on leur montre. Ben, voici l'intérieur. Parce que là, nous, on est en train de prendre une petite pause, un petit thé. Ben, on est des enfants de 9, 8, 10, 9, 8. Hein? Ben, vous avez tous 9. Ben, moi, je suis le plus jeune. Ouais, moi, mais par contre, c'est le plus intelligent. Mais moi, je suis la plus vieille. Ben, c'est toi le cerveau de l'équipe. Moi, je suis la plus vieille. Ouais. Et toi aussi, t'es le cerveau. Moi, je suis pas le cerveau. Moi, je suis juste le. Je suis rien. Ben oui, toi, t'es... Ben, Léane, c'est pas très cerveau. Ben, oui, cerveau. Léane, c'est la trouveuse. Ouais, toi, c'est ça, elle trouve tellement de choses. Puis elle, toi, c'est la... OK, fermez vos gueules. Fait que là, ben, on est en train de prendre une petite pause. Et moi, je suis le YouTuber. Mais je fais aussi beaucoup de choses. Et grâce à moi, et à Charles et à Eliane, la cabane a pris vie. Ben, c'est plus que... C'est moi qui a mis le truc, mais c'est Charles qui a... L'idée. Mais hier était pas avancé de même. Hier était vraiment pas avancé de même. Hier, on l'a avancé, on avait mis juste le tapis en bas. Putain! Puis on avait juste mis le... Apporte le chasse-moustique, OK? Oh my god, les moustiques, ils mangent. C'est à cause qu'il n'y a pas de fougère à terre. Hein? Ouais, les fougères, ça va faire les moustiques. Ben, OK. J'ai des fougères!
Dégagez! Non, mais je me suis fait dire ça, qu'il avait peur des fougères. Tu pognes une morceau de fougère, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça peigne! Oh, ma batterie est faible! Merde! Sa batterie est faible! Attends. Fait, ça va être la fin de la vidéo, les gars. Ben, j'espère que vous avez aimé. Et ben, on se voit à la prochaine. Tchuss! C'était Mike. Mike. Bye. Ben, attendez. C'est que je voulais vous dire, peut-être qu'on va peut-être pogner mon téléphone à moi. Puis on va prendre mon téléphone à moi. Puis je vais l'envoyer à François-Étienne la vidéo pour qu'elle mette sur la chaîne, sa chaîne YouTube. Là. OK. Bye. C'est parti. Tchuss!